Allez, salut à tous les gens, c'est Amra qu'on se retrouve aujourd'hui sur Spectrum Origins. Et je démarre dans le labo pour vous montrer les excavations que j'ai fait. Donc ça c'est les nouveaux, hein, et ça c'est les anciens qu'il faut que je vende. Donc on va faire ça tout de suite, pour avoir des objets. Donc comme ça mon... Oula. Ah merde. Une néo boulette de riz de plus, c'est bien. Donc c'est comme ça que j'ai pu avoir beaucoup de gigaboulettes de riz, donc je vous montrerai ça après. Et aussi pas mal de mini rock qui donnent beaucoup d'XP. Voilà. Ça donne beaucoup de boulettes de riz, donc c'est pour ça j'ai récolté pas mal de comment dire, de spectrob, et j'ai fait j'ai fait beaucoup d'échanges, voilà, et du coup j'ai eu beaucoup de boulettes de riz. Comme ça, ça me permet de revenir un peu bien, et j'ai farmé un peu aussi d'XP. Donc j'ai fait augmenter mes spectrobes que j'ai actuellement, malgré que je pourrais faire évoluer ceux-là, ceux que je vais réveiller, pour avoir des niveaux élevés. Le problème c'est que j'ai plus de mini-rock qui a évolué. C'est le problème. Donc c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Yeah. Un totemo. Donc c'est celui-là qui évolue en Toté Garda à la fin. Alors ensuite, un TK. Ah oui, évidemment. Parce que j'ai beaucoup de spectrobes et du coup il me dit que j'ai pas assez de place. Ouais, je suis déjà rempli beaucoup. D'ailleurs en fait j'ai fait des trucs de 3, mais je pense que je vais en garder qu'un seul de chaque, hein, puis on verra par la suite. Je vais voir. Mais oui, je suis bien rempli, comme vous pouvez voir, tous mes 10 salles sont remplies. Et j'ai 3 salles de... 4. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, j'ai 5 salles de spectrobes évolués remplies. C'est bien. Ok, j'avais pas remarqué. Ouais, c'est parce que j'ai fait tous les codes d'un seul coup et... du coup, j'ai pas assez de boîtes. Mais on va en avoir des emplacements, il me semble, plus tard. Donc on était sur Witera, donc oui, je disais, j'ai farmé un peu d'XP. Et finalement, j'ai spectrobes un peu plus grand, puis je suis level 51. On devait aller où déjà, je sais plus. On devait partir sur la nouvelle planète. Ah oui, puis j'ai ramassé une nouvelle arme aussi. Je vais vous montrer. C'était justement au site d'excavation là qui est juste derrière. Donc c'est l'épée buto. Voilà. J'ai ramassé celle-là au passage. Parce qu'il me fallait un spectrobe de type roche. Et justement, je l'ai. Donc voilà. Tout simplement. Donc je suis content de refaire c'est que maintenant que je le dis, mais je suis assez content de refaire des vidéos sur ce jeu. J'ai peut-être dit avant, mais parce que je sais pas, en ce moment j'ai un peu la flemme de jouer à des jeux d'Xbox. Je me suis remis un peu sur Assassin's Creed 3. Donc j'avais pas totalement terminé. Et je l'ai terminé à fond. J'ai eu j'ai passé beaucoup de temps dessus. D'ailleurs c'est en fait en jouant à Assassin's Creed que je me suis dit faut que je me remette à faire Spectrum Origins, parce que j'ai vu dans mes vidéos en attente des épisodes d'Assassin's Creed 1, donc que je vais mettre dans pas longtemps d'ailleurs.
Donc pour ceux qui voudraient savoir, là j'ai upload l'épisode 11 à l'instant. Donc ça veut dire que bah je suis vraiment comment dire, en avance dans les vidéos, donc les commentaires je les lirai, mais bon, ça ils serviront un peu à rien si vous me dites des trucs intéressants, si vous me dites que j'ai loupé des trucs, etc. Mais je pourrais y revenir plus tard, hein. Après avoir fini le jeu, je pense, parce que j'ai hâte de le refinir encore, parce que... Ça fait longtemps que je suis sur ce let's play, du coup, parce que je l'ai commencé il y a 2 ans, ouais, 2 ans, dont un petit temps où j'en ai pas fait. Donc ça c'était pendant la période où j'ai perdu toutes les données de mon PC. Et d'ailleurs, pour celui qui avait demandé dans les commentaires, t'as pas mis le boss de Witera, donc Golgorok, je sais plus comment tu me dis. Bah, je suis désolé, mais en fait il est parti, j'avais tourné l'épisode et vu que mon PC avait planté et que bah il avait plus du tout de, enfin j'ai rien pu récupérer dessus, et bien il y avait l'épisode 3 en fait, et bah j'ai pas pu le récupérer, donc je suis désolé, je referai peut-être le combat justement après avoir fini le jeu, et on verra ça plus tard. Donc là je vais vous montrer une petite astuce. En fait on peut aller farmer de l'XP, donc je vais voir si j'ai en faire ou pas, à la rigueur je ferai en accéléré, mais on peut farmer de l'XP en fait là dedans. Vous pouvez entrer dans le temple, oui on peut entrer dans le temple, ok peut-être pas tout de suite. Mais après on pourra entrer dans le temple. En fait je sais pas si on... Ouais, bref. On pourra entrer dans le temple et dans le temple là on peut se battre, je sais plus. Il y a un compteur, c'était 100 spectrobes en fait. Et d'affilée. Qui apparaissent par groupe de 5, 6, je sais plus. Et en fait et bah ça vous donne l'XP de... Spectrobe, j'ai dit Spectrobe, non, Décrôle. Et donc ça vous donne l'XP. Et ça, c'est bien. Putain, du coup, je me retape le combat. Je suis désolé. C'est pas grave, ça me fait un petit peu d'XP en plus. Alors, je peux pas les taper plus, hein. Je peux vraiment pas aller plus vite dans les combats. Désolé, mais j'ai même moi tout à l'heure quand j'ai farmé un peu d'XP, je me suis dit mais je vais jamais en finir. Les combats du coup ils sont très très longs parce que je fais pas de dégâts contre ces crawls là. Je sais même pas s'il y a un truc qui est super efficace sur le poison. J'en sais rien du tout. Et du coup bah je fais pas du tout de dégâts et le combat dure une éternité. Ça fait un peu de durer le truc, donc c'est pas bien grave, mais quand même quoi. Alors oui, c'est l'épée de pierre que j'ai. Qu'elle m'aurait bien été utile dans la tour. Hein. Mais il aurait fallu savoir que j'avais pas pris une arme ici et... Ça fait super longtemps que j'avais pas joué. Et en plus, bah, ça faisait super longtemps que j'ai pas été farmé de l'XP, quoi. Yep. Voilà. Massacre-le. C'est bien. Massacre celui-là. Ah, j'ai level up. Youpi. Attendez, je ramasse les bobules. C'est qu'il y en a deux, il y en a un coincé. Bah, en fait, ça j'ai remarqué aussi. Il y a des fois les crawls ils se coincent dans les arbres.
C'est marrant. Tout à l'heure j'ai fait un combat. Justement au site d'excavation il y a plein d'arbres. Et en fait je suis arrivé à un moment où je me disais mais qu'est-ce qui se passe, je les ai tous tués et j'ai toujours pas terminé le combat, c'est un bug. Et en fait j'avais bien terminé le combat, sauf qu'il y avait un crawl qui était coincé derrière un arbre. Et j'avais pas remarqué qu'il s'affichait sur le radar. Et voilà, on part directement pour... Comment ça s'appelle, je sais plus. Bamaid. Comme le mermaid, mermaid café, non. Putain. C'est de référence, hein, pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent, c'est One Piece. Ouais, il y en a qui vont dire ah, One Piece c'est pas bien, truc. Moi je lis beaucoup de mangas et One Piece en fait partie. C'est peut-être Grant ? Hey, c'est bien au fluo des crawls que je suis en train de parler ? Calme ton gars ! Moi aussi. Alors, dites-moi, il y a du nouveau dans la quête des fragments ? Vous en êtes ? On en a quatre, plus qu'un à trouver. Alors, voyons. Bamoud est la dernière planète de la liste. Bamoud. C'est là qu'est le dernier fragment. Eh ben, vous allez vous abuser. Y a rien d'autre que les volcans dans toutes les directions. Oh, super. Tu ne peux rien nous dire d'utile ? En fait, si. Je viens de récupérer des infos. Et elles concernent les ruines de cette planète. Mais je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est pourquoi j'ai décidé d'y aller, moi aussi. Vraiment ? C'est génial ! J'ai hâte ! Mais dis-moi, qu'est-ce qui te chiffonne ? Bah, pas le temps d'en parler maintenant, désolé. Et puis c'est peut-être de rien. Je vous en parlerai plus tard. Gina, je t'envoie les coordonnées de notre site d'atterrissage. Vous y serez sûrement avant moi. J'ai beau faire cette vieille gabarde grasse quand je la pousse trop. Bon, faut que j'y aille. À bientôt. Ouf, pendant un moment j'ai eu peur que ce soit une transmission du commandant Grant. Oui, mais je suis sûr qu'il va bientôt nous recontacter. On ferait bien de se préparer à ce qu'il risque de nous dire. Je vais saisir les coordonnées de Kamtoga. Prochain arrêt, Bamud. C'est les... Non, je vais rien dire. C'est bon, j'ai compris. Les blagues, c'est la merde. Une nouvelle planète a été trouvée. Wesh, c'est loin. On y va. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faudra qu'on aille chercher sur merde, comment s'appelle la planète, je sais plus. La planète avec le grand arbre là, et il faudra qu'on aille chercher avec Pégase les armes. Bouge-toi Allen, ne faisons pas attendre Kamtoga. Oh ça va, de toute façon on ne doit plus être très loin du point de rendez-vous maintenant. Oui, je pense qu'il est au bout de cette rue. Ah, t'appelles ça une rue, toi ? Oui, carrément. Enfin, en attendant, j'entends une arme. Ah. Donc, si possible, j'aimerais que ce soit une épée. Une épée de feu. S'il vous plaît. C'est un... un canon, un gant, un canon. Ouais, j'ai demandé une épée, on me donne un canon. Merci, c'est sympa. Putain. Allez. Je viens.
commence en fanfare, on a déjà un peu de mystère. Alors juste, je vais m'équiper d'une épée d'eau. Parce que logiquement, l'eau éteint le feu. Donc l'eau serait la meilleure des solutions. Après, je sais pas. Bon, on y va, on s'attarde pas trop dans les environs. Allez. Juste, je vais prendre ça. Tant qu'à faire, hein. On crache pas sur quelques minérocs. Surtout que vu que c'est une des... Bah, c'est la dernière planète, il me semble. Après, il y a la chronosphère. Mais, elle donne beaucoup de minérocs, comment dire. Bah... qui donne beaucoup d'XP. C'est bien. Et puis plein de méga boulettes de rail. Donc voilà, juste ce qu'il me faut. Hein. Je vais quand même prendre tous les trucs brillants parce que. Ah, tiens, Minerok santé. Minerok rose. Ça donne 500 quelques XP, c'est ça? Un Kyptos multiple. Y'a-t-il quelque chose ici? Ouais. Allez. Alors, attendez, est-ce que je vais par là? J'ai rien dit, je me tatane la gueule d'abord. Bon. Ouh, tu m'énerves. Ouais. La charge dans ta face, mon pote. Ah bah apparemment... Ah bah si. Level 47 quand même. C'est pour ça qu'ils font la masse de dégâts à mon spectrum. Parce qu'il est que level 34. Voilà. C'est tout simple. Ah merde. Ne te relâche jamais, Allen, c'est ce qu'ils attendent. Leur fais pas ce cadeau, surtout quand tu viens de leur infliger une bonne correction. Bien, merci. Mais d'où est-ce qu'il est venu, celui-là? Les ombres, les lâches adorent ça. Qui est là? Si tu es un vrai guerrier, agis comme tel et montre-toi. Coucou. Impossible! Très impressionnant, cette petite mise en scène. Enfin, quand on aime ce genre de choses. Alors qui es-tu? Une sorte de roi des crawls? Toujours aussi arrogant. Tu devrais te trouver. Hein? Tu me connais? Comment? Qui es-tu exactement? Bah, c'est l'ancien maître des spectrobes. Espèce de bouffon. Mais tu as voulu dire depuis tout à l'heure. Depuis au moins 15 ans. Bah, vous m'écoutez pas aussi. Vous êtes vraiment idiot. Je t'avais jamais vu plonger dans tes pensées auparavant. Ouais, j'ai horreur de ça. Ça me ralentit. Toujours aussi arrogant, hein, Captain. Tu devrais te trouver un nouveau numéro. Nos chemins se sont déjà croisés, j'en suis sûr. Comment va votre bon vieux commandant? Très bien. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, c'est vrai.
C'est en toi que je n'ai pas confiance. Toi ! Quels nobles actes accomplirais-tu avec un tel pouvoir ? Alors, grand sage ! Oh là là, on se calme, les gars ! Qu'est-ce qui se passe ? Hé ! Reviens ! Alors, je t'écoute. C'est une divergence d'opinion. Rien de grave. Tu me prends pour un idiot ? Va-t'en, va-t'en ! Répète-moi ça ! Très bien, reste là, Kamtoga. Cours à ta perte. Je ne comprends pas. Je m'y suis mal pris, je me suis énervé, j'aurais dû... Il n'était pas lui-même. J'aimerais bien savoir ce qui avait pu le mettre dans une telle colère. Je remets mon casque. Désolé des bruits. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut vraiment suivre au commandant Grant, Kamtoga ? Bravo, Ralen. Dans le genre subtil, tu repasseras. Eh bien, si je m'attendais à ça, soyez tranquille, Grant est... a été et sera toujours l'homme digne de confiance que vous connaissez. Oui, mais tu nous as dit que le commandant est ce maître des spectrobes. Oh, je vois, cette petite histoire t'a contrarié, pas vrai? En tout cas, je suis sûr que Grant avait une bonne raison de s'en prendre à mon ancien partenaire. Bon, au cas où vous l'auriez oublié, nous avons du travail. Nous partons explorer les ruines de feu. Ouais, si tu veux. Ouais. Ouais, c'est ça, je vais trouver le fragment. C'est bien. Ah, oh, il y a comme Toga qui me suit et tout. Oh, vas-y, t'es trop cool. Elle est là. Kamtoga, pendant la transmission, tu as dit que quelque chose ne tournait pas rond. Ah oui, j'allais justement vous en parler. Eh bien, dernièrement, mon radar optique a repéré quelque chose d'étrange dans le système de Kaio. Une sorte d'objet non identifié qui passe de planète en planète. Ce qui me chiffonne, c'est qu'on dirait qu'il vous suit dans vos déplacements entre les planètes. J'en suis venu à me dire que ça peut être une sorte d'ennemi prêt à vous sauter dessus. Mais non, c'est le commandant, bandit, espèce d'idiot. Vous voulez dire qu'on a été suivi et qu'on s'est fait espionner tout du long? Et comme il ne vous manque plus qu'un fragment à trouver ici, sur Barmude, je parie que celui qui le dirige est prêt à tout pour vous empêcher de mettre la main dessus. Ouah, je savais que tu étais fort, Kamtoga, mais je ne te pensais pas aussi malin. Vous devriez aussi vous méfier de cet ennemi masqué. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini de le revoir. Alors attention, ce serait dommage d'être arrivé si loin et de commettre une erreur maintenant. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon petit. Mais c'est le commandant Grant, on peut lui faire confiance, tu l'as dit toi-même. Allez. Eh ouais, mon pote. Ah bah tiens, un minéraux qui évolue, ça c'est bien, ça m'arrange. Ok. Cinématique. Vas-y, t'as trop bouffé, mon gros. T'as trop mangé, mon pote, hein. Non, faut arrêter les chips, hein. Ça te fait grossir. Regarde ça, on dirait un boulimique. Ouais, un boulimique qui tape fort, quand même. Nique sa mamie. Je suis méchant avec sa mamie, mais je m'en bats les couilles. Ouep. Va par là. Vas-y, va l'attaquer.
mon spectrobe il a pris cher. Ah bah c'est bien, tiens, il met un spectrobe. Oh, c'est parfait. Putain, mais quel bouffon. Le mec, tu sais, il vient se mettre juste à côté du crawl. Genre, rien à foutre. Note moins 325 que j'y ai mis. Ouais, je devrais éviter de me faire trop ken quand même. Ouais, j'en ai pris une de trop. Okay. Attendez, en fait, je suis en train de baisser moi-même mon son, en fait. Il y a la manette qui va sur le câble, et du coup, ça baisse mon son. On n'entend plus rien du tout. Bon, là, j'ai remis du son, c'est bon. Putain, du coup, j'ai deux spectropes qui sont faits tuer. Chier. Tant pis. Il va bien. Hein? Après tout, c'est Kamtoga. Ce type a vécu des trucs qu'on peut même pas imaginer. Il a rien, j'en suis sûr. Je te le dis, il est en train d'épousseter ses vêtements quelque part en se demandant pourquoi on l'a pas encore rejoint. T'as raison. Alors, trouvons-le. On dirait que le centre de ces ruines s'étend jusque là tout en bas. Alors, dépêchons. Nous et trouvons un moyen d'y aller. Ok, et après ça, j'espère qu'on retrouvera Kamtoga sain et sauf. Ouais, parce que en fait, il est sain et sauf. Mais allez. Oh putain, je viens de foutre de la merde. En plus, j'ai perdu deux spectrobes déjà. En espérant qu'il y ait un point de sauvegarde pas loin. Normalement, oui. Bon, on va sur la dalle, parce qu'il faut pas déconner. On est des badass et tout. Et les poteaux, vas-y, on descend. En fait, avec le câble de la manette, je suis en train de baisser. Je baissais le son du jeu. Donc, du coup, j'entendais plus rien en fait. Moi, j'entends une arme. Je sais pas vous. Allez. Ah, si je trouve que des mini-rocs verts, ça va pas le faire les mecs. Moi je suis pas content. Arwan Grognon. On va aller par là. On va aller par là. Alors désolé si je parle pas beaucoup, mais en fait là je suis concentré, en plus il y a pas mal de trucs qui se sont passés, donc c'était assez épique. Et fuck you very much. Motherfucker. Faudra revenir. Faudra revenir après un point de sauvegarde. Ah, ça me fait chier ça. Mais j'aurais dû prévoir, on est sur une planète de feu quand même. Il suit un boulet. Mais c'est pas grave. On va revenir après. Il va me tataner. Sinon, c'est pas drôle. Les petites bites, comment ça va dans votre monde perdu et désolé de la souffrance. Allez.
T'arrêtes un peu de tout éviter là. Je ramasse les bouboules. Bleu. Putain, mais il est marave. Là, tu me diras, il est niveau 40, hein, celui-là. Ouais, celui-là, je l'ai excavé, il était level 39. J'ai fait un rang B. Du coup, bah, je vais vous prendre lui au lieu de, au lieu d'un autre, en attendant. Et ben, on verra après par la suite pour en prendre un autre. What is this fucking shit? Hey, t'as vu ça? Oui, je me demande ce que c'est. Allons voir. Déjà, tu me ramasses ça. Parce que ça fait quelque chose. Je me demande à quoi ça sert. Oui, on dirait que ça ne marche pas pour l'instant. C'est vrai? Sûr. Je sais que ça marche. Regarde. Tu vois que ça marche. Hein? J'étais sûr que cet interrupteur aurait un effet. La pièce n'a absolument pas changé. Je crois. Tu crois que c'est un truc pour nous faire perdre du temps? Non, mes capteurs repèrent un flux d'énergie à présent. Je parie que ce qu'on cherche, ce n'est pas dans cette pièce. No shit, Sherlock. Oh, mais c'est qu'elle est intelligente, hein. Ah, mini rock attack, youpi. Bon, on avance, hein. On se balade. Bah, elle est là-bas, la porte. Regarde, c'est visible d'ici. Enfin, oui, quand il n'y a pas la lave. Mais... mais c'est visible, alors arrête de dire que ça n'influe sur rien. Putain, on est vraiment des idiots, hein. Yeah, plus de méga boulettes de riz, youpi. D'accord, ok. Non mais d'accord, d'accord, je retiens. Pas de soucis. D'ailleurs, ça fait déjà 30 minutes. Bah, je vais faire un épisode un peu plus long du coup. Et je couperai au montage peut-être. Je sais pas, non, je pense que je ferai un épisode un peu plus court. Comment qu'ils ont pris cher? Comment ils prennent cher? Oh mon god! Zblé. A dégager. Aïe. Je les ai pris dans un coin. Mais bon, je vais essayer de me battre. Je préfère prendre des dégâts moi que les spectres prennent des dégâts en fait. De faire plein de roulades de la suite, mais apparemment ça n'a pas marché. Ah, un piédestal a bougé par ici. Intéressant, je me demande comment ça marche. Putain. Allez. Comment vous dire que vous êtes bête? Oh, je sais. Et bien voilà, on appuie. D'accord, oui, mais cette fois la lumière a changé de couleur. Je me demande si celui-ci va réagir de la même façon. Bah appuie dessus, espèce d'idiot. Voilà. Ouais. Mais il reste plus qu'un verre. Bon, je passe le dialogue, hein, c'est pas intéressant. Il se questionne. Oh mais qu'est-ce que ça fait? Oh bah tiens, la porte là-bas elle s'est allumée. Oh non, c'est pas ça. Ok, ok. Ouf, date mini-rock violet.
Ça, c'est bon, ça. Le mini rock violet, il donne 1000 d'XP direct. Hein. Pour ce qu'il faudrait savoir. C'est pour ça que je me réjouis de voir ça. Super, comment on va pouvoir passer? Ah, ça bouge pas. Et on doit rejoindre Kamtoga avant qu'il ne soit trop tard. Pas de panique, Ralen, regarde. Tu vois ce motif sur la porte, la ligne brillante ne te rappelle rien. Ah oui, c'est la même que sur le piédestal qu'on a vu dans l'autre pièce. Bravo! Il y a trois lignes, mais une seule ne brille pas encore. Eh, regarde, là, ça doit être le troisième interrupteur. Essayons! Oh putain, qu'est-ce qu'ils sont intelligents! Oh mon dieu! Ils sont super intelligents! Alors, est-ce qu'il y a un point de sauvegarde juste après? Ça me serait super utile en fait. Ouais. Super, c'est ouvert. Alors c'est trop naturel, vraiment une sorte de clé permettant d'ouvrir la porte. Maintenant on peut descendre chercher Kamtoga. Dépêchons-nous. Ok, bah en fait dépêchons-nous. Peut-être pas les gens parce que... Moi je veux l'arme. Il n'y a pas de point de sauvegarde ici. Bah, il doit y en avoir un juste au-dessus. Espérons-le. Enfin, juste en dessous, du coup. Bah, au pire, on reviendra tout après. Hein. Après tout ce qu'on aura fait. Ouais, il n'y en a pas. Donc, ouais. Donc, on reviendra après. C'est pas grave, on repassera. De toute façon, on sait où aller. Ouais, juste à l'entrée. Pas de problème. Un pont au-dessus du cratère volcan. Du volcan. J'ai la chair de poule à l'idée qu'il pourrait s'écrouler d'un coup pendant qu'on est dessus. Évite ce genre de réflexion alors qu'on s'apprête à traverser. Oh, désolé. C'est bon, mais dépêchons-nous. Kamtoga doit toujours être quelque part en bas. Je te suis. Ah bah merci. C'est sympa. Et je me fais attaquer. C'est logique. On est sur un pont. Toujours se faire attaquer sur les ponts. C'est bien. Ah ouais, vous le prenez comme ça, déjà un dégât. Ok, adieu. Dame aux heures fuc. Oh, on se calme. Lui il est super efficace contre eux. Donc tant qu'à faire. Brrr. Quoi? En fait j'ai la flemme de changer de... Bah, je vais changer quand même d'équipement parce que autrement je vais me faire désinguer la gueule. Oh. Oh. Ok, il voulait pas. Et bah justement, tiens, je vais pouvoir utiliser mon épée. Bien que je pourrais prendre la hache, ça irait largement plus vite. Mais bon. Il faut trop mal. Hein. Attends, je vais prendre de la hache parce que ça va pas du tout ça. La hache ici. Bon, je suis électrifié alors. Arrête d'être électrifié, bordel!
Électrifié, je sais même pas ce que je dis, non. Électrocuté, ouais, non, je suis pas électrifié. De merde. C'est quoi, toi, t'es qui, type ? Ok. On va revenir à mon épée, du coup. Bon, sinon, après ça, je peux traverser, oui ou non ? Ah, parce que ça commence à m'énerver, moi. Je comprends. Je comprends, mon petit, que ça puisse m'énerver. Eh bien, voilà. Tu vois quand tu veux. Ah là là, je te jure. Bon, de toute façon, je vais continuer jusqu'au prochain point de sauvegarde. Pour vous dire au revoir. Hein. Parce que je pense que je vais faire une petite pause, allez, justement, entre les deux. Ce serait bien, parce que... Voilà, quoi. Allez. Mais quelle heure est-il ? Déjà, putain. Allez. Ouais. Il se fait déjà tard. Et du coup, je sais pas en fait si je vais tourner un autre épisode parce que si les points de sauvegarde se font aussi rares que ça. Je vais légèrement être emmerdé. Je vais passer par là déjà. De toute façon, ça change rien vu qu'ils sont tous les deux reliés. Mais je vais passer par là. Je vais aller à gauche. Pour une fois, la gauche m'inspire. En droite ou gauche ? Gauche. Allez. Non, il est parti communiste. Je déconne. Hein. Je déconne. Allez. Kyptos, oh, génial. J'ai que des Kyptos, hein, quand même. J'en ai énormément, en fait. Par là, qu'est-ce qu'il y a ? Allez. À part un point lumineux. Et un mini roc rouge. Rouge ? C'est rare, ça, non ? Oh fuck. Oh fuck. Fuck fois 2. C'est qui ces types là? Bon. Du coup, j'ai pas essayé celle-là. Je vais pas l'essayer, je vais prendre celle-là. Voilà, hein, d'abord. Rien à foutre. Fuck la police. Ça les a éclatés. Ça va te faire foutre, toi. Je t'ai pris pour qui, là? Non, mais dis-donc. Même des petits, tu me mets à... Attaque aussi, toi. Reste pas comme un con. Le mec il est comme ça. On le foutre. Fuck la logique. Mais bah toi, merde. Oh. Ouais, youpi. Youpi, il y a un interrupteur. Allons appuyer dessus.
Par contre, ils vont mettre un dialogue à chaque interrupteur, je... Hein ? Ça va venir devenir rapidement casse-couille. Sinon, ça va, la boule ? Non, enfin, je sais pas. Une boule qui flotte dans les airs. Normal. Normal, quoi. Non, mais c'est... comment dire ? Une sacrée... invention, tout ça. La lévitation. Ouais, ça peut... ce serait bien si... si on inventait des trucs dans ce style-là. Le mec qui lance un débat, c'est... Narmoul, Narmoul. Mais c'est par là qu'il faut que j'aille. Mais oui, mais oui. Mais oui, c'est par ici. Un mini-rock évolué, youpi, encore. J'en veux plein. Ah mais en fait, ah c'est un cul-de-sac. Ah c'est génial. Ouais, ah c'est génial. Bon, bah, voilà. Voilà, voilà quoi. Voilà quoi. Allons tout droit. Allons tout droit, parce qu'on va tout droit. Qu'y a-t-il par là ? De la lave en fusion. Ouais. Avouez que là c'était complètement con. Hein. Et que ça sert à rien. Mais d'accord. Ah non, j'ai rien dit. Ah bah si. Si en fait ça sert à rien. Va le ramasser s'il te plaît. Va le ramasser. Vite, vite. Putain, quel boulet. J'ai dit, prends un équipement, pas fait une roulade, bata. En fait, le prochain point de sauvegarde, il est où là? Parce que c'est pas que d'habitude je fais à la base je faisais des épisodes d'une demi-heure, mais quand même quoi. Bon. Je vais se calmer tout de suite, hein. Ouais. On va reprendre une hache. Ok. Une hache. La hache du pyro barbare. Désolé si c'est lent. C'est pas très très passionnant non plus, mais ce gars. Mais j'y peux rien. Même pas level up. Ah tu vois, j'allais user une comment dire. Une boulette. Eh, c'est qui le pro là? Non mais. Bon, allez. Disons qu'on n'a rien vu. Hein. Je sais pas si il est réapparu le mini-rock. Oui. Yep. Il me semblait bien que ça réapparaissait si on le prenait pas. Hop. Le deuxième. Ou le troisième en fait. Je viens d'où moi? Je viens de là-haut ou de l'autre côté? Je viens sûrement pas de là. Donc ça doit être par là. Allez. Mini-rock rose.
Et je viens pas de là, mais il manque une partie, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, je vais le rétamer. Ah, il est level up, j'avais même pas vu. Ça m'arrange comme ça, je vais pas le perdre au moins lui. C'est qui le papa là? C'est qui le papa? Bande des bâtards. Il m'en manque un, donc on va faire demi-tour. Et derrière il y a un point de sauvegarde. Et j'entends une arme. Que je n'avais pas entendu avant. Ouais, j'ai loupé un truc du coup. Allez, on va y aller. Hein. Désolé pour ce léger petit contretemps. Bah c'est par là. Activer le vert. J'imagine que c'est par là du coup. Il y a quoi là? Attends, je vais juste aller voir là ce qu'il y a. Allez. Okay, il y a un mini rock et rien. Bah il y a la balle bleue. En fait, j'ai dû passer à côté sans même le voir. Ou alors j'y suis pas allé, j'en sais rien. J'en sais rien. Non, j'y suis pas allé. Ouais, parce que je suis passé à droite, exact. Exactement. Allez. Donc le dernier, il est là. Bon, ça va, il est accessible en plus. Il n'y a pas un seul crawl. Il y a comme qui dirait l'ascenseur, un point de sauvegarde et apparemment une arme pas très loin. Donc c'est bien. Je vais pas tarder à vous laisser pour reprendre un autre épisode directement la suite. Parce qu'il commence à faire long celui-là, oui, il est déjà bientôt une heure. Oh, regardez-moi ce bug. C'est avec la hitbox du décor. J'ai jamais vu. On demande pas que ce soit parfait, hein. Il est sorti il y a longtemps quand même le jeu. Vu que c'est un des tout premiers jeux que j'ai eu sur Wii, je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti en fait. C'est par là que j'entends une arme. Ouais, avant de prendre l'ascenseur, on peut tourner. Exactement. Parfait. Ouais, on se dépêche, mais on se dépêche avant, je passe par la gauche, s'il vous plaît. Parce que je veux mon arme, juste sauvegarde un petit coup. Déjà pour, je suis passé dessus pour régénérer mes spectrobes. Et je vais chercher l'arme, donc qui est une arme de feu. Donc on va prendre un spectrobe de type feu. Un autre Kyptos, ça c'est intéressant. Alors vite, menu labo. Oui. Équipe de fouille. Type feu, il y a lui. Donc on va prendre lui, on va le mettre à la place de... Type plante, ça m'étonnerait qu'on trouve de la plante là-dedans. Vague quoi que, on sait jamais.
Le petit Zenny. Petit Zenny, Zenny. Zen. Allez. Yep, yep, yep. Date explosion. C'est l'explosion, tu sais, pour un petit spectrope comme ça. Méga explosion, il a tout découpé en fait, ce type. C'est là, il a fait. Quick, 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 quick. Et puis. Tout pété. Et nous avons un bouclier. Mais c'est swag. Le bouclier TK. Je t'ai cassé. Je l'ai pas sorti celle-là. Je l'avais pas sorti à la base celle-là. Donc voilà, il fallait que la sorte. Ah, peut-être que si en fait. Je sais plus. Je sais même plus les blagues que je fais. C'est quand même incroyable. Et, putain, il me reste 3 boucliers à trouver. Bah, il y en a un de haut. Un de haut, un de. Ah oui, non, mais attends, en fait, je voulais regarder lequel était plus résistant. J'ai pas fait gaffe. Ah ouais, celui-là il me donne plus de défense, celui-là il me donne plus d'attaque. À la rigueur, je préfère garder la défense plutôt que l'attaque. Hein. Personnellement. Vous faites comme vous voulez, hein, moi je m'en fous. Mais moi j'aime bien être défendu parfaitement. Donc on va sauvegarder, puis moi je vais vous dire à la prochaine, hein, je pense. Hein. Parce que ça fait combien la vidéo? 57 minutes. Et si c'est pas beau ça quand même, hein? Putain, ça c'est chaud quand même. Donc moi je vais vous dire à la prochaine. Portez-vous bien. Et salut.